Alors, il fallait faire des kilomètres, vous savez, Ouais. dans les chemins, dans les champs, quand on savait où il y avait quelqu'un qui faisait rien. C'était des jeunes pousses d'un an ou deux. Ah, c'était l'hiver. Oui, parce qu'il fallait attendre que la sève soit tombée, sinon Oui, que le bois soit en sommeil. Hein. donc Oui, vous c'était. ramassiez de quoi en faire quelques Quelques casiers, casiers, oui. puis après. On rajoutait les mètres parce que ça on appelait ça les mètres. Vous n'avez pas froid? Non, ça va. Ça va. Bon, c'est bon. Oui, dès qu'il n'y a pas de soleil, mais enfin, c'est sous nuage et l'instant que c'est pas encore en verre. C'est très éclairé. C'est très clair. On appelait ça le cordon, ceux Oui. qui faisaient le. On appelait ça le cordon. Et ensuite, quand on avait fait les deux tours, on commençait à en rajouter de nouveau.
éviter qu'elle se... Sinon, ça va se lâcher. Et là, on l'enlève de, quand le deuxième tour est fait, on peut l'enlever, mais c'est, tout le monde ne le faisait pas. Hein. Il y avait des gens qui continuaient sur leur gabarit. Quoi. Ouais, d'accord. Hein. Moi, je l'enlevais, je ligaturais et tout, ça faisait comme une grande étoile. Voilà, voilà, vous y êtes. Des détails sur toute la ligne. Fait 5 tours. Oui, là, donc vous, mètre croisé, ça veut dire que ça fait des zigzags comme ça. Ça fait, oui, ça fait des triangles, des losanges, comme suivant la vision que vous avez dessus. À chaque fois, on inverse celui qu'on a pris en double, si vous voulez, on le reprend avec un autre. Et vous, vous êtes repris avec un autre. Ah, d'accord, oui. Et vous, celui-ci est là. Donc. Il est pris avec celui-ci, mais ensuite, il sera repris avec son voile là. C'est mètre croisé. Alors qu'il y a le mètre droit, on les met droit que droit. Tiens, vu.
Oui, vous pouvez reprendre. Dernier épisode.
Certains, on mettait encore un an. Le premier qui était embarqué, c'était plus facile. Pas tout le monde, hein. Ça c'était un choix. Hein. Donc au-dessus, il y avait eu une anse. Voilà, ou un anse, on mettait un anse. J'ai pris de chaque côté comme ça. Mais c'est, tout le monde ne le faisait pas. Hein. D'accord. Mouiller le casier, vous les accrochez, ils étaient accrochés deux par deux. Deux par deux. Voilà, donc il y avait un premier casier, ensuite on mettait environ 3 à 4 brasses, 4 brasses disons. Voilà. Bon, on vous dit au suivant. Oui, c'est ça. Le suivant c'était encore. C'était. Ah oui. Vous mettiez quelle distance, vous, entre les deux? Oh, 4 brasses, 3 brasses, ça faisait environ 3 brasses quand c'était frappé, quand on s'était amarré. Hein. C'était pareil, quand... Bon, alors là, là, vous le preniez au fond, là? Ah oui. Ah oui, là, il n'était pas... Et ensuite le Rhin. Le Rhin. Qui pouvait atteindre 100 mètres si j'en ai fait, hein, pour pêcher. Hein. Vous habillez des orins d'un seul bout ou en plusieurs bouts? Ah, c'était en plusieurs bouts. Au moins 3 et 4 bouts. Parce que il y en avait des 18 brasses, de 12 brasses, alors ce qui nous permettait de régler là, suivant la hauteur d'eau où on travaillait. Au début, quand on avait de la fibre naturelle, c'était 5, on mettait 5 boules, c'était une boule en verre, vous savez, les boules en verre, oui. Un litre environ, tous les 3 brasses et demi. Hein. 3 brasses, même 3 brasses. Hein. Parce que le rein en fibre naturelle, comme on avait en manille, quand on a eu la nouvelle, c'était pas une nouvelle, comment on appelle ça aussi, le polyéthylène, on a supprimé 2 boules, on en avait plus que 3 sur la même distance. Je vois pareil des deux sacs. Avant de le mettre à l'eau, vous le mouillez? Voilà. Il fallait le lester. Le lester, oui. Voyez-vous toutes les pierres qui sont à garnir en partie. C'était des restes. C'était des pierres qu'on attachait. Là. On en mettait 2 ou 3, si on commençait en novembre. Il y en avait pour jusqu'au mois de mars. Hein. Vous savez, quand on est arrivé à en faire 50 ou 60, une cinquantaine seulement dans la Ah, le bateau à voile, surtout, quand on en avait 50, c'était tout, en pleine saison. À la voile, 50. Ah oui. Alors, donc vous, la reine, elle était mouillée ici, à Costerville. Donc, vous preniez le cajot pour aller à bord. Voilà, pour aller à bord. Vous tirez sur le ras-le-bord, vous allez chercher votre place. Donc, vous allez à la reine. Et alors, où est-ce que vous alliez habituellement comme lieu de pêche? Toujours sur le nord, si vous voulez. Ce qui était un handicap quand il y avait des vents de sud, parce que pour les mouillés ça allait très bien, mais quand on les relevait, par exemple, j'ai mes relevés, on les relevait toujours en allant vers le nord. Ouais. Parce que c'était les premiers qui arrivaient à... Parce qu'à un certain moment, les casiers, les flotteurs n'étaient pas sur l'eau. Hein. Quand la mer remontait ou descendait, si vous voulez. Parce qu'à un certain moment, ils partaient sous l'eau, avec la puissance du courant. Il fallait se trouver un peu avant l'étale. Ah, ça faisait couler le flotteur. Ah, d'accord, hein. Si vous aviez 3, 4 ou 5 nœuds de courant dans les grandes marées, il n'y avait qu'une période donnée pour dès qu'ils remontaient. C'était souvent les plus près de terre qui remontaient les premiers. Oui, d'accord. Alors, vous les mettiez donc en bande? Sur le nord, comme ça. Plein nord, comme ça? Plein nord, oui, en général. Et vous en mettiez général. Vous les mettiez pas tous les 50 en bout, comme ça? Non, c'était par... Qu'est-ce qu'on pouvait charger, disons, par amarre, on pouvait mettre 8 amarres, disons. Hein. Donc, 8 amarres. Ça faisait 6 casiers, c'était plus du tout le travail. Et après, vous mettiez une autre bande ailleurs? C'est ça.
On est âgé, si vous voulez, vers le nord, en pleine saison, disons pour le homard, on est âgé vers le nord. Hein. Les crabes, oui, les crabes souvent, ils mettaient. Et il était là, le cotonneau ah, toujours, à proximité, oui, ouais. Sur le banc arrière. Oui. Côté du banc arrière. Et puis, les homards Ben, les homards, on enveloppait ça quand c'était la saison, c'est avec des algues, ou même dans les voiles, quand. Oui, les voiles servaient un peu, les voiles, enfin, les voiles, pas toutes, parce que, mais souvent, la pointe qu'on avait à l'arrière, elle servait souvent à ça, ou ouais. À un petit foc. Ouais, quand c'était pas utilisé, bon, ça, on s'en servait, vous savez, c'était pas. Ouais, voilà, donc, et vous reboîtiez tout de suite peut-être? Ah oui, oui. Donc, vous avez, votre cage à boîte, elle était. Dans un seau. Dans un seau. Vous savez, on avait, à l'époque, quand j'ai commencé, c'était le seau en bois. Hein, c'était encore un petit tonneau qui était coupé en deux, on faisait un seau, parce que c'était mieux qu'un seau galvanisé qui restait rouillé. Mais ah, enfin, c'est un seau galvanisé. Disons que moi, j'ai connu des bonnes pêches. Je veux faire facilement, en pleine saison, hein, 60-70 kilos hein, de homard. Hein. En période de morteau, quand c'était. Bon, surtout en juillet. Et puis ça durait environ un mois, la bonne pêche de homard. Puis après, ça commençait à décliner. Enfin, souvent début septembre. Hein. Enfin, fin août, début septembre. Et vous vendiez un marailleur particulier? Oui, oui, oui. Bon, c'était un monsieur, je sais pas, Costier.